Qu'est-ce que vous faites? Vous avez tous l'air triste. Est-ce que c'est à cause de la pluie? Mettez-vous à l'abri. Et de cette façon-là, on les aura. Vive les cannes! Ils ont l'air bien joyeux. Ils doivent préparer un mauvais coup. Comme tout cela est triste. Ils sont tous devenus grands et indépendants. Il faut que je m'y habitue. Ils vont tous me quitter les uns après les autres. Tu devrais être contente. Grâce à toi, ils sont devenus des adultes capables de se défendre pour vivre. Je sais, il faut que je m'habitue à rester seule. Mais non, même s'ils sont autonomes, ils ne vont pas t'oublier. Peut-être. Et puis tu vas bientôt rencontrer un beau loup et tu auras de nouveau une famille. Ah, oh, tu n'es qu'un pitre. Je t'assure, que tu le veuilles ou non, c'est la loi de la nature. Tu es et tu seras toujours une bonne maman. Tu verras, tu seras de nouveau très heureuse et très contente d'avoir des petits. Ne dis pas de bêtises. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux. Bon, je dois faire la guerre contre les abeilles. Elles sont rusées et elles veulent ma mort, je le sais. Mais je suis aussi rusé qu'elles le sont. Explique-moi comment tu t'y prends, ça doit être difficile. Pas du tout, j'ai mis au point une méthode très sûre. Je suis curieuse de savoir quelle est cette méthode. Utilises-tu la force? Mais non, je préfère employer la ruse. Ah oui? J'espère que tu n'utilises pas un pavé comme l'ours de la fable de la fontaine. Ne te moque pas de moi, je m'approche de la ruche sur la pointe de mes griffes pour essayer d'attraper un peu de miel. Naturellement, je fais cela la nuit. Il est d'ailleurs temps que je me mette en route. Allez, au revoir. Bonne chance. Oh, le temps est couvert, il va encore pleuvoir. Au contraire, je suis en pleine forme. En tout cas, tu n'as pas l'air de t'amuser. Oh non! Oui, tu as bien raison. C'est parce que je réfléchis. Viens avec nous, je suis sûre que tu t'amuseras. Je te remercie, je n'en ai pas envie du tout. Ah non? Tu es bizarre. Pourquoi tu restes là, hein? Vous le voyez bien, ici tout est calme et tranquille, il n'y a personne aux alentours. De cette façon-là, je peux entièrement profiter de la nature. Ce n'est pas le moment d'abandonner un de tes amis. Balou, va bientôt avoir besoin de toi. Je ne vois pas comment aider Balou. Il est assez fort pour se défendre. Je t'assure que bientôt, il va avoir besoin de toi. Je n'ai pas le temps de t'expliquer pourquoi. Mais où dois-je aller? On va te montrer le chemin. Dépêche-toi. Bon, je viens. J'arrive. Si tu ne te dépêches pas plus que ça, nous arriverons trop tard. Et ce sera la catastrophe. Allez, grouille-toi, Simba. Il est temps de passer aux actes. J'ai dit j'arrive, voilà. Ça te ferait du mal de courir un peu? Allez, en avant! Et dites aux abeilles de le laisser tranquille. Est-ce qu'elles sont devenues folles ou quoi? Ah! Soyez raisonnables, laissez-le!
Tu aimes trop le miel, sale gourmand. Oh, oh, pitié, je n'ai rien fait de mal. Hé, les abeilles, laissez-le maintenant. Je crois qu'il a eu sa leçon, ça suffit. Mais sors de loup, balou, sauve-toi, dardard, sauve-toi. Oh non, non. Mène-toi de ce qui te regarde, Balou n'est pas aussi gentil que tu crois. Oh, laissez-le au moins reprendre son souffle. Allons. C'est lui qui nous a attaqués. Il ne vous a pas attaqué, il a juste essayé de vous voler un petit peu de miel. Il est gourmand, mais pas méchant. Crois-le, crois-le, Simba connaît bien tous les animaux de la jungle. Oui, crois-le. Ah, mais pour une fois encore, je vais bien lui pardonner. Rassemblement! Il n'y a plus de danger, je peux sortir, dis. Oui, tu peux sortir, elles ne te piqueront plus. On va discuter de tout ça. Je ne comprends pas ce dont on doit discuter. Du calme. Voyons. Bien, on va étudier ce problème. La solution est simple, il ne doit plus voler notre miel. Vous arrivez trop vite aux conclusions, il faut d'abord en discuter. Tu as raison, Simba, discutons. Il n'y a rien à discuter, Balou ne doit plus voler. J'ai une question à vous poser. À partir de quoi fabriquez-vous votre miel, vous autres, les abeilles? Comment ça? Maman Louve ne te l'a pas appris? Tout le monde sait que nous faisons notre miel en recueillant le pollen des fleurs. Je voulais vous l'entendre dire. Donc vous volez le pollen aux fleurs. C'est vrai, ça? Elles n'arrêtent pas de butiner. Oui, et elles prennent le pollen aux fleurs. En somme, ce sont les abeilles qui sont des voleuses. Écoutez, qui vous dit que le miel, ce n'est pas la même chose pour Balou, une nourriture? Simba, tu sais très bien que nous respectons les fleurs. Nous ne leur prenons qu'un peu de pollen. Eh bien, Balou fait la même chose. Il ne veut vous prendre qu'un peu de miel pour vivre, c'est tout. C'est vous qui devriez avoir honte. C'est vous qui êtes des méchantes. Il y a une différence. Nous sommes des travailleuses. Nous fabriquons le miel. Balou n'est qu'un gros gourmand. Cela ne résout pas le problème. Vous dérobez quand même le pollen aux fleurs pour assurer votre existence. Et Balou aussi a besoin de miel pour vivre. Je considère que vous faites la même chose. Vous voyez, mes belles, nous sommes à égalité. Je vous en prie, laissez-moi. Dites donc, les abeilles, c'est une drôle de façon de discuter. Très bien, discutons si tu y tiens. Simba veut continuer à discuter. Admettons que ton raisonnement soit juste. Envisageons les choses calmement. D'accord, mais tu dois bien reconnaître que les ours ne se nourrissent pas uniquement avec du miel. Tandis que pour nous, le pollen est essentiel. Donc Balou est un gourmand. Mais c'est un sentiment égoïste qui vous pousse à le condamner aussi sévèrement. Admettez-le quand même. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? C'est par égoïsme que vous affirmez avoir le droit de prendre un peu de pollen. Vous dites que vous respectez les fleurs, mais vous ne vous inquiétez pas de ce qu'elles deviennent quand vous les avez butinées. Vous vous en moquez et vous allez sans cesse attaquer d'autres fleurs. Mais Balou, lui aussi, est un égoïste et s'il le pouvait, il prendrait tout le miel qu'il trouve. La solution est simple, Balou sera raisonnable. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Balou se contentera d'un peu de miel de temps en temps. Oui. D'accord. Nous sommes d'accord. Mais Balou doit promettre solennellement de ne pas tout voler. C'est entendu. Je le promets. Voilà une affaire réglée. Je serai là pour rappeler à Balou sa promesse. Il se contentera d'un tout petit peu de miel de temps en temps. Alors, qu'attends-tu? Si tu veux du miel, viens le prendre.
C'est bien vrai, vous ne m'attaquerez pas. Non, mais c'est lui, c'est ça. Allez, viens, viens, viens. Tu connais nos roches. Viens, par ici. Allez, Balou. Allez, Balou. Oh. Oh. Tu cueilleras des fruits plus tard. Dépêche-toi d'aller te servir. Alors, c'est bien vrai, je peux, oui. Bien sûr, nous respectons toujours la parole donnée. Oui, mais... D'accord, si j'en prends un peu au bout de ma patte, est-ce que ce ne sera pas trop? Si tu veux, nous allons te servir nous-mêmes. Je crois que ce sera mieux, non? Oh, c'est un rêve. Je vais manger du miel sans être attaqué. Et nous te souhaitons un très bon appétit. Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Bon appétit! Ah, une vraie féerie. Tout ça grâce à Simba. Ah. Venez toutes, nous allons lui servir son miel. Simba, 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 écoute-moi, viens un peu par ici, Simba. Oui, ah. On m'a dit que tu voulais partir pour la savane. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas encore tout à fait décidée. Oh, tant mieux. Puisque tu es là, Simba, je vais te montrer quelque chose. Viens, suis-moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais te présenter mes enfants. Tu vas voir comme ils sont mignons. Les voilà. Ah, tes enfants. Je ne les vois pas encore. Le temps de fermer les yeux. Oh, vous êtes des rapides. On peut savoir d'où vous venez, les petits. Bonjour, Simba. Papa nous a beaucoup parlé de toi. Je suis enchantée de vous connaître. Simba, tu ne trouves pas que la jungle, c'est merveilleux? Regarde ces jolis oiseaux. Ils ont été cueillir des fleurs pour toi. Tous en cœur en l'honneur de Simba! Oh.
Pourquoi êtes-vous si triste? Nous pleurons à l'idée que tu vas t'en aller pour aller vivre dans la savane. Je vous l'ai déjà dit, je n'ai encore rien décidé, je réfléchis. Votre petite fête de ce matin me donne envie de rester. Nous sommes bien heureux, Simba. Mes amis, ce que vient de faire Simba avec Baloo et les abeilles prouve que nous allons avoir un grand roi. Moi, je l'avais déjà deviné. Je n'ai pas besoin qu'on me le confirme. Si le plus sage des Sylvestres s'en dit aussi sûr, c'est un signe certain. Simba s'assoira sur le trône. D'ailleurs, il le doit en partie à ton enseignement. C'est toi aussi qui nous a fait traverser les rapides. Eh, ma foi, c'est vrai, je me souviens de ce jour-là. Oui, on a failli tous se noyer. Oui, j'ai pu vous servir de passerelle. Je pense que je vais arriver un de ces jours à établir la formule de la quadrature du cercle et je serai un grand savant. Qu'est-ce qu'il fait? Il médite en attendant les taupes. En attendant, elles mettent beaucoup de temps. Ça fait longtemps qu'on attend, bonjour. C'est que nous ne voulions pas nous faire remarquer. Je vous comprends. Nous avions peur que les singes devinent nos intentions. Qui était secrète, en effet. Raconte-nous, allez, on veut savoir. On veut savoir ce que vous avez appris. Oui. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous autour de ce trou? Les taupes ont creusé une galerie jusqu'au rocher du tigre. Et vous croyez qu'on va pouvoir entendre ce que dit le tigre? C'est très malin, nous savons que les singes et le tigre complotent depuis longtemps. Allons au bord du trou! Je suis curieux de voir ça. Grâce à nos amis les taupes, nous allons avoir un moyen de communication pratique. Ah oui? Oh! Oh! Mais vous devez faire silence. Chut, chut. Eux aussi peuvent nous entendre. Patience, chut. Mais ça ne marche pas, ce truc-là! On ne comprend rien du tout! Il parle trop loin du trou! Vive Jacquard! Je m'apprête, Simba barre pour la savane! Très bien! Tu deviendras notre roi! Vive le roi! Vive Jacquard! Et je ne veux pas qu'il parte, car je le détruirai, lui et ses amis! Je veux qu'il meure! Je suis le chef incontestable de tout le territoire, vous le savez. Personne, je dis bien personne, ne peut aller et venir sans ma permission. Que ce soit dit une fois pour toutes! C'est honteux! Si j'avais la queue du tigre entre mes dents, je la mordrais jusqu'au sein! Le tigre est un cochon! Il va quand même pas nous dire ce qu'on doit faire! Je te l'avais bien dit! Tu t'énerves toujours pour rien et ça finit par te jouer des mauvais tours! Mais en attendant, c'est toi qui as raison! Bravo! Vive la liberté! Nous souhaitons tous que Simba reste parmi nous. Oui, c'est lui qui doit devenir le roi de la jungle. Ce serait une sage solution qui serait sûrement satisfaisante. Pour tous ses amis, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je dis bravo, Simba est fait pour devenir un grand chef, un roi. Oui, c'est vrai. Et si vous êtes tous du même avis, c'est l'unanimité. Bien entendu, nous sommes tous du même avis. Oh oui. Cela me fait grand plaisir à entendre. Au revoir, mes amis. Au revoir à tous. Au revoir.
fais-tu, maman louve? J'appelle le grand chef des loups, le loup solitaire. Et pourquoi cela? Pour que tous les loups se préparent à la bataille, pour nous aider. Vous voyez, il m'a entendu. Tous les loups de la forêt sont prévenus. Et alors, ils obéiront au chant de ralliement. Ah, c'est bien. Voyez, ils ont entendu et ils sont prêts à nous aider. Ils vont venir bientôt nous protéger. Les loups forment une grande famille. Je savais que tous les loups aimaient Simba. Nous n'avons plus rien à craindre. C'est le bon droit qui triomphera des ambitieux. Tous les amis de Simba viennent de lui démontrer leur solidarité. Ils sont même prêts à combattre le tigre et ses complices. Simba pourra donc en toute liberté choisir son avenir et partir, s'il le désire, pour la savane. Si vous voulez savoir ce qu'il en adviendra, et ce que feront Simba et ses amis, ne manquez pas notre prochain épisode. Vive le soleil, vive la lune, vive la pluie, vive la brume, vive la vie, nous tous ensemble, vive la jungle et notre bande, tous les copains vivent ici, on se surprend, on se fait peur, on sourit, on fait la course, on se faufile partout et la nuit nous endort, quelle est belle la vie, comme la jungle est jolie, elle est notre mère, c'est une autre maman, Arbor est notre papa, Simba et Pimo, tous nos amis sont là. Nous avons un docteur, un canari chanteur, un corbeau directeur, un crocodile nageur, à la balle joue le chien, il joue vraiment bien. Le serpent se faufile et les singes sautillent, nos souris qui marchent, on dirait des stars. Le tigre les observe, les protège, il oublie sa colère de ne plus être roi.